Pour savoir exactement combien tu es noté sur le marché du célibat, c'est simple, c'est par rapport aux femmes que tu attires. Les femmes que tu attires le plus facilement. Okay? Par exemple, si jamais tu attires des 5, des 6, ben c'est qu'il y a de grandes chances que tu sois un point ou deux points au-dessus. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche. Mets un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Ici c'est Jonathan Hachi. L'idée de cette chaîne, c'est pour te permettre de devenir une meilleure version de toi-même, pouvoir devenir libre. Et pour ça, à un moment donné, il va falloir faire de l'argent les gars. Donc il y a deux choses que je te propose. Mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20K en une semaine. C'est gratuit, c'est offert. Tu es libre de pouvoir y accéder. Et deuxième chose, c'est ma formation Pirate Marketing où je te montre exactement comment faire 5K au minimum par mois. Ok, c'est pas un truc de ouf, peut-être tu penses un truc de ouf, c'est pas forcément un truc de ouf, honnêtement tu pourrais même faire beaucoup plus, mais je préfère pas le dire pour pas que après tu dises oh, c'est un truc de ouf, c'est une arnaque, c'était quoi. Et en plus j'ai rajouté des bonus complémentaires sur comment investir en immobilier, comment investir dans les startups. Il y a un expert aussi en personal branding qui travaille avec Coca-Cola qui intervient aussi dans la formation. Donc je t'ai mis vraiment tout ce que tu as besoin pour pouvoir faire de l'oseille. Tu peux pas te rater. Et en plus, la formation est 100% finançable. Ok, donc tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien qui est dans la description et tu mets ton numéro de téléphone, ton prénom. Il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler. Ok, et on va faire le dossier avec toi de A à Z si jamais tu veux utiliser ton financement. Ok, et aussi tu pourras poser toutes tes questions. Après, tu n'auras plus qu'à passer à l'action. Donc après, on va te donner les accès et il faudra passer à l'action. Et les gars, il n'y a rien de magique. C'est pas une pilule magique. Il faut passer à l'action. Et ça prend du temps et ce sera dur. Parce qu'apparemment, on ne le dit pas assez souvent. Donc, je le dis. Ça va prendre du temps et ce sera dur. Tu ne pourras pas dire que tu ne l'as pas entendu. OK? Mais après, à un moment donné, il faut bien faire quelque chose de sa life. En tout cas, si tu veux devenir libre, il n'y a pas d'autre chemin. Ça ne sert à rien de chercher les raccourcis. Tu vas perdre du temps. OK? Et pas d'excuses, les gars. J'ai grandi à Évry dans 91. J'ai redoublé mon BEP trop technique. J'ai grandi au quartier des Pyramides. Voilà, j'ai été salarié. J'ai fait différents jobs. OK? J'ai connu le business super tard à 35 ans, je crois, 34. Voilà. Et maintenant, ça fait plus de 3 ans que je voyage. Pourquoi? Bah, parce que j'ai des couronnes. Et que j'ai pas peur de passer à l'action. Et à un moment donné, ça donne des résultats. Et j'arrête de chialer aussi. Ça fait longtemps que j'ai arrêté de chialer, les gars. Chialer, ça sert à rien. J'ai déjà essayé plusieurs fois. J'ai essayé pas beaucoup parce que j'ai vu vite fait que c'était, ça servait à rien. C'est dur la vie. Oh là là, on vient des quartiers. Oh là là, je suis noir. Je regardais mon compte en banque. Ah bah non. Ah bah rien à bouger. Il n'y a pas d'argent qui est rentré. Donc, non. Donc, passons directement au sujet de la vidéo. 5 signes subtils que tu es plus frais que ce que tu ne penses. Ok, donc du coup, en fait, c'est que en fait, il y a beaucoup de gars qui me demandent, ouais, comment je peux faire pour savoir m'évaluer sur le marché du célibat? Comment je peux faire? Parce que j'ai déjà fait des vidéos, j'en parle. De toute façon, je pense que tu le sais. Peut-être que tu viens d'arriver, bah, à ce moment-là, tu vas sur ma playlist relation de femme, tu verras, j'en parle. Comment on fait pour se noter sur le marché du célibat, etc. Non, pas exactement comment se noter, mais je sais plus. La différence qu'il y a entre femmes, hommes, bref. Tu vas dans la playlist list et tu verras tout ça. Et moi, ce que j'ai constaté, c'est que les hommes ont souvent tendance à se sous-évaluer en fait sur le marché du célibat, contrairement aux femmes qui ont une tendance plutôt à se surévaluer. En général, bon, les femmes, bon, pour elles, elles sont toutes des 10. Tu dis, ah ouais, elles sont toutes des 10, mais alors du coup, Megan Fox, c'est combien? Ah! Ah ben ouais, non, mais ça dépend, mais moi, je suis parce que, voilà, mais il faut avoir confiance en soi, etc. Bon, confiance en soi et la réalité, ça n'a rien à voir, hein, j'ai envie de te dire. Mais bon, du coup, les gars, vous avez plus tendance à vous sous-évaluer. Donc, du coup, j'ai décidé de faire cette vidéo, 5 signes subtils qui montrent que tu es plus frais que tu le penses. Premier signe, quand tu croises une meuf, je sais pas, dans la rue ou à la salle de sport, parfois, il y a des meufs qui viennent et qui te regardent. Tu vois, genre, elles te regardent, genre, vite fait. Et genre le temps d'avoir genre juste eye contact, genre juste vite fait dans les yeux, tu vois. Juste ça dure pas longtemps parce qu'une femme c'est pas genre hein, elle fait pas comme ça. Non, elle fait pas ça. Les femmes ne font pas ça, ok. Donc elle va juste faire un juste un coup d'œil vite fait comme ça, elle va juste te regarder comme ça, le temps d'avoir eye contact, ok. Ben ça, si jamais ça t'arrive parfois, c'est quand même plus frais que ce que tu penses. Ok, les femmes ne font pas de eye contact avec tous les hommes. Deuxième signe subtil, c'est que genre les gens sont surpris de ton manque de confiance en toi. Tu vois, genre tu vas dire ouais, j'ai un manque de confiance, par exemple avec les femmes ou pour pouvoir aborder des femmes ou etc. Ou je pense qu'elle sera pas attirée vers moi ou pour autre chose sur lequel t'as pas confiance en toi. Et les gens vont être surpris, ils vont dire ouais, oui, sérieusement. Les gens, ils vont pas comprendre, tu vois. Donc, ça veut dire que t'es plus frais que ce que tu penses. Ce que eux ils voient, c'est pas ce que toi tu vis réellement, tu vois.
Enfin, quand je veux dire ce qu'il vit réellement, c'est parce que c'est, tu ne vois pas la même chose qu'eux, ils voient. Donc, c'est que tu es plus frais que ce que tu penses. Troisième signe subtil, c'est que tu as une bonne personnalité. Ça veut dire quoi? C'est qu'en gros, tu es marrant, tu es intelligent, tu es agréable, etc. Tu vois? Est-ce que ça suffit? Non, ce n'est pas le seul point qui suffit, évidemment, pour pouvoir garder une femme. Parce que sinon, tous les gars de la friendzone seraient avec la meuf. Ils ne seraient pas dans la friendzone. Mais après, il y a différence entre juste être gentil et puis être marrant. La pire des choses que tu peux faire avec une femme, c'est qu'elle s'ennuie quand elle est avec toi. Ça, c'est la pire des choses. Que tu sois millionnaire ou pas. Tu peux être millionnaire, tout ce que tu veux. Si jamais, quand elle est avec toi, elle s'ennuie, à un moment donné, elle va partir. Quand tu es marrant, que tu es intelligent, etc., ça la stimule, elle s'ennuie pas, elle est contente, voilà. Donc du coup, si jamais tu as une bonne personnalité, tu es plus frais que ce que tu penses. Autre signe que tu es plus frais que ce que tu penses, c'est que tu vas à la salle de sport. Okay, tu vas à la salle de sport, tu fais attention à ce que tu manges, ça va ensemble. Hein. Tu vas à la salle de sport et tu fais attention à ce que tu manges. Parce que les gars, aller à la salle de sport, être balèze et avoir du ventre et de dire tant que mon ventre ne dépasse pas les pecs, on est bon et ton ventre il est comme ça, non. Parce qu'en vérité, les meufs, ça sert à rien d'être super balèze. Je veux dire, ça n'a pas besoin d'être super balèze. À partir du moment où tu as les abdos, la meuf elle pense que tu es balèze. Ok, à part vraiment les meufs qui sont vraiment à fond dans le fitness, elles voient et encore, tu n'as pas besoin d'être super balèze. Il y a déjà plein de vidéos. Tu vois, peut-être que je ferai une vidéo comme ça là-dessus. Tu montres aux meufs les différentes catégories de gars, du sec au plus balèze. Et tu verras que, en fait, les meufs, elles aiment un gars juste, genre, en gros, pas de super balèze. Balèze normal. Hein. C'est nous, les gars, on est là, on voit des gars super balèzes. On fait, oh là là, il est balèze, oh là là, j'aime bien. Mais les meufs, elles aiment pas les gars qui sont super balèzes, ok? Elles aiment bien les gars normal, tracés, avec un peu de volume, propre, tu vois. Donc, du coup, si jamais t'as le six pack, en gros, parce que là, faire le balèze et ouais, je suis super balèze, machin, mais t'as du ventre, non. Il faut que t'aies le six pack. Le six pack, c'est la base. C'est la base, six pack, et après, tu construis autour. Donc, ça, forcément, si jamais t'as le six pack, t'es plus frais que ce que tu penses parce que elles sont attirées par les gars qui sont bien. Qui sont bien faits, qui sont balèzes et qui ont des abdos. Et dernier signe que tu es subtil, que tu es plus frais que ce que tu penses, c'est que tu reçois des compliments. Alors, après, les femmes, elles vont pas te dire « Oh là là, t'es trop beau !»« Oh, j'ai jamais vu ça dans ma life !»« Il est trop beau !»« Jaline, viens voir !»« Comment t'as vu combien t'es beau ?»« Oh là 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 !»« Point, point, point !» Non, elle n'est pas comme ça. Genre, elle va te faire des compliments sur des trucs autour. « J'aime bien comment tu parles. » J'aime bien comment tu t'habilles, j'aime bien ta chemise, j'aime bien tes chaussures, tu vois, des trucs comme ça. J'aime bien tes cheveux. Pour moi, ça, hein, on n'est pas dedans, mais tu vois, en tout cas, elle aime quelque chose. J'aime bien ta barbe. Voilà, tu vois, des trucs comme ça. Et en bonus, je voulais aborder aussi dans cette vidéo comment ça va exactement, comment tu te situes dans le marché du célibat. Je ne sais pas si j'en avais déjà parlé dans une vidéo, donc j'en profite pour pouvoir t'en parler dans cette vidéo parce que je pense que ça s'y prête bien. Pour savoir exactement combien tu es noté sur le marché du célibat, c'est simple, c'est par rapport aux femmes que tu attires. Les femmes que tu attires le plus facilement. Okay, par exemple, si jamais tu attires des 5, des 6, ben c'est qu'il y a de grandes chances que tu sois un point ou deux points au-dessus. Voilà. Si jamais tu attires souvent des 6, c'est que tu es sûrement un 7 ou un 8. Voilà. Si jamais tu attires que des 4, ben c'est que tu es sûrement un 5 ou un 6, etc. Pourquoi? Parce que la femme, elle est hypergame et elle date jamais un gars qui est en dessous d'elle, en fait. C'est pour ça que la plupart des gars sont invisibles pour les meufs. Okay, elle voit seulement des gars au-dessus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, surtout avec l'ère d'Internet maintenant, avec l'ère des réseaux sociaux, avec Instagram qui a mondialisé le marché du dating, les meufs voient toujours au-dessus. Elles datent toujours au-dessus. Donc, ça va être toujours dater un ou deux points au-dessus. Donc, du coup, c'est comme ça que tu peux savoir à combien tu es sur le marché du célibat. Donc, voilà, je peux te donner d'autres exemples. Je ne sais pas, si tu es un 8, bah, tu vas dater facilement des 6, 7. Mais par contre, tu vas galérer pour avoir des 8 pile, par exemple. Tu vas galérer pour avoir 9, 10. De toute façon, les 9, 10, elles ne te voient pas. De toute façon, elles ne vont pas te répondre. Ou elles vont te répondre, mais tu n'arriveras pas à les voir, etc. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime si jamais tu as aimé cette vidéo et un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Tu as tout en description pour pouvoir aller plus loin avec moi. Tu as Zeus aussi, j'en avais pas parlé, mais tu as Zeus, hein, le secret de la nature féminine qui est aussi en description. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Choisis ton camp.